Coucou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Encore une fois, je suis en bonne compagnie. Un cookie, cookie Jules. Rémi est au kiné, moi je vais aller chercher les enfants après à l'école. Pour le moment, vous n'êtes pas fixé comme il faut, le trépied il bouge un petit peu. Donc là, je viens de lancer une machine, je me suis déjà occupée de sortir ce petit Jules. Ah, mon petit Jules d'amour. Je l'aime du fond du cœur, Jules. J'aime mes enfants aussi du fond du cœur, mais Jules il a une place importante dans mon cœur. On a une relation particulière. Hein, Jules? Oui. Oui, tu m'as aidé dans un moment où c'était pas facile. Voilà, il m'a aidé quand j'étais malade. Donc, c'est mon petit Jules quoi. Bref, il faudrait que je vous en parle un de ces quatre. Il faut que je fasse la vidéo, mais c'est un sujet assez vaste et je veux pas parler de ça à la légère et oublier certains points ou omettre certains points. C'est un sujet trop important pour. Voilà. Puis, j'ai pas spécialement envie d'en parler non plus. Bon, bah, j'ai pas envie de faire le buzz ou je ne sais quoi. Donc. Je verrai comment je me débrouille avec ça. Bref, donc j'ai été voir du coup mon sèche-linge que j'ai lancé cette nuit. Donc si vous suivez, bonjour Cracotte. Si vous suivez, j'ai un sèche-linge de pré-candy basique de chez Basique. Et du coup Rémi me disait, en gros ça sert à rien de prendre des sèche-linges à je sais pas combien hein, parce que mon linge est nickel. Il est sec, nickel, j'ai pas eu besoin de le relancer, pourtant je l'ai blindé, j'ai fait exprès pour voir. J'ai blindé, il est nickel, il est plus petit que le mien, il a séché parfaitement, ça ne pue pas. Le linge est doux, voilà. Donc, Amy me disait, ça sert à rien d'acheter des machines à laver ou des sèche-linges au final LG à 1200 plus l'extension de garantie pour qu'au bout de 3 ans ça fonctionne plus, ça lâche, ça pue, ça sèche pas. Donc on va voir ce que Darty va nous faire hein, voilà. Mais avant je me rappelle que les anciens sèche-linges, l'ancienne machine à laver qu'on avait, c'était le Hoytpoint Ariston. C'était une gamme spéciale avec les hublots, ce qui était joli. On les avait payés moins cher, on avait le sèche-linge, la machine, on était dans les 500-600 euros par machine. Ça avait lâché au bout de 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, le coup d'après, on passe sur la gamme au-dessus. Donc on avait payé un peu plus de 1000 euros les machines à laver. Et on avait pris l'extension de garantie. Et bon là, ça fait 3 ans, on a bien fait de prendre l'extension de garantie au final. Parce qu'on commence à avoir les soucis vraiment maintenant. Donc on sait pas trop ce qu'on fera pour la prochaine tournée de machines, entre guillemets. Hein, parce que moi, les machines, comme je les utilise souvent, et ben ça se bat, ça se casse, enfin ça s'abîme vite. Donc bon, et sinon pour revenir sur la machine à laver, j'ai bien lu tous vos commentaires, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout. Pour rappel, j'utilise bien une lessive bio, c'est l'arbre vert ou maison verte. Maison verte. Maison verte, je lave à 40. Les draps, les serviettes c'est 60. Et une fois par semaine, parce que je lave beaucoup dans ma machine, une fois par semaine, je fais un cycle à 95 degrés. Voilà, je fais aussi, je la lave aussi avec du bicarbonate et du vinaigre blanc toutes les semaines. Je nettoie mes joints très souvent. D'ailleurs, le monsieur Darty m'a dit hier, elle est pas encrassée, votre machine elle est propre quoi, il n'y a pas beaucoup de résidus. Il y en a un petit peu, moi ça me gêne, il y en a un petit peu. Mais il m'a dit, il y a des machines qui sont 10 fois plus encrassées que la vôtre avec les trucs. Il m'a dit, il a regardé en fait le dessous, le joint là. Il m'a dit, elle est pas sale, elle est propre votre machine. Mais bon, moi je trouve qu'elle est sale parce qu'elle n'était pas comme ça à la base. Mais pour voir l'âge qu'elle a, ça va. Donc il m'a dit, vous faites tout comme il faut. Donc ça doit être des résidus. Ou alors, et ben, les machines au bout d'un moment elles s'encrassent. Le calgon, pour vous répondre aussi, ça ne sert strictement à rien ici parce qu'on a de l'eau douce. L'eau n'est pas du tout calcaire. À part fusiller la machine à laver, c'est tout ce que ça va faire. Voilà, donc et ben, il faudra que j'essaye d'acheter, que la prochaine fois que j'irai à Carrefour, j'y suis pas encore allée, j'achèterai un produit pour nettoyer, on verra bien ce que ça donne. Sinon j'essaierai de passer peut-être sur, quand je fais les machines de serviettes et tout, je passerai peut-être sur de la lessive en poudre pour voir ce que ça donne. J'ai pas trop envie de repasser sur des lessives pas bio avec des phosphates et compagnie parce qu'avec les enfants j'ai peur qu'ils se rattrapent de l'eczéma en fait. Donc j'ai pas envie, et Lucas, je sais pas si c'est un rapport, mais je sais que la nuit quand il dormait dans ses draps et que c'était les trucs Lénor et compagnie là, il faisait des crises d'asthme. Alors je sais pas si c'est un rapport, peut-être pas, mais ça s'est calmé quand on est passé à la lessive bio en fait. Voilà.
Sinon je voulais vous dire un truc aussi, je vais retester là parce que je vous avais parlé, vous savez mon Dyson là. Rémi en fait hier l'a complètement démonté, mais complètement démonté, il a tout nettoyé, le truc on dirait qu'il est complètement neuf. Il a tout nettoyé, il a passé une heure ou deux, même peut-être deux, trois heures à faire ça. Et donc du coup je vais tester avec vous pour voir ce que ça donne parce que mon Dyson j'utilise, pour info j'ai trois aspirateurs. Ouais je sais, la fille elle est folle hein. Donc j'ai trois aspirateurs, j'en ai un, j'ai mon Dyson comme ça, balai aussi, on peut mettre un manche balai, que j'utilise pour les tapis, en appoint quand les enfants ils ont mangé, qu'il y a des miettes par terre et surtout dans l'escalier. J'ai le robot Roomba qui est en train de tourner au premier étage là parce qu'après je vais faire le sol en haut. Et j'ai mon gros aspirateur qui est là, qui est sous l'escalier. J'ai le gros aspirateur là qui est sous l'escalier que j'utilise... ça dépend des jours, mais que j'utilise pour faire le gros de l'aspirateur là où le Roomba va pas quand il faut passer, pousser les meubles et compagnie. Voilà, au final je trouve que celui qui aspire le mieux c'est le Roomba, c'est le gros robot. Donc et ben là on va essayer parce que tous les jours je peux recommencer mon escalier, tous les jours il est sale avec les animaux, j'ai toujours des poils de chat, de chien, j'ai des cheveux, les enfants qui font tomber des miettes de gâteau, décider ça, enfin, j'en ai partout. Donc du coup on va essayer ensemble. Vous voyez il aspire, mais j'ai dû quand même passer pas mal de fois. Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Coucou, on se retrouve. Je vais aller chercher les enfants à l'école. Faut pas que j'oublie les papiers parce qu'après on a rendez-vous chez le docteur, mais je pense que je repasserai par ici. On a rendez-vous chez le docteur pour aller faire les papiers pour le PAI de l'école. J'ai tout ce qu'il faut là, donc il faut que je m'en occupe. Donc je les descends là. Grigo, t'es pas là? Non, je sais pas pourquoi ton père. Donc du coup, c'est parti. J'ai mon téléphone qui s'est mis sur quoi là? Ah non, c'est Rémi qui m'a mis le son. Mais parce que je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas. C'est un truc que j'aime pas. J'aime pas quand mon téléphone est sur sonnerie. Je le mets toujours sur vibreur. C'est un truc qui énerve Rémi parce qu'un coup sur deux il n'arrive pas à me contacter en fait. Plein de mouches avec le garage et la poubelle. Allez, sors. Sors la mouche. Bon. Et du coup, il m'a mis. Il m'a mis mon téléphone. Sors de là. Il m'a mis mon téléphone sur son. Et j'aime pas ça. Bon, je vais récupérer comment s'appelle? Mon pull. Qui était là. Que j'ai dû remonter. Donc Julia remonte. Parce que je l'ai mis. Non, il est là. Voilà, donc je vais aller chercher les enfants. Je suis contente de moi. J'ai été assez productive là. Là, j'ai une machine à sortir. J'ai été assez productive. J'ai fait... j'ai fini l'aspirateur que je n'avais pas fait. J'ai fini de nettoyer des trucs dans la cuisine. J'ai fait le sol en bas, au premier, dans notre chambre. Et j'ai fait les fenêtres qui n'avaient pas été faites la dernière fois. Donc j'ai fait la fenêtre de la salle de jeu des enfants, de la chambre des enfants, de la porte-fenêtre. Donc je suis contente. C'est cool, voilà. Coucou. On pourra faire une toi. Oui, on va se calmer. Lily est excitée comme une puce là. C'est une catastrophe. On est rentré depuis un moment, donc on a été chez le docteur. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, je vous avouerai, là je ne sais plus. Donc c'est bon, viens là. On a fait les papiers pour... tu t'allonges par terre que je te mette ta couche s'il te plaît. Viens t'allonger. Donc on a fait les papiers pour approche-toi de moi s'il te plaît, je peux pas là. On a fait les papiers pour le PAI, donc ordonnance, on est passé à la pharmacie et compagnie. Donc j'étais en train de vous dire, donc oui, on avait tous les papiers. C'est pas grave. Donc j'ai été récupérer tout ce qu'il fallait, la ventoline, le soluprète, enfin tout ce qu'il faut pour les allergies. Cette année, on a rajouté, enfin, elle a voulu rajouter comme la dernière fois, en fait, Lucas nous a fait. Pour ceux qui on va suivre, au dodo. Oui.
Pour ceux qui nous suivent, quand on a été à Disney, sur la vidéo polémique sur ma chaîne, j'ai été obligée de désactiver les commentaires parce que j'ai eu un déchaînement de haine sur cette vidéo. En fait, on a été à Disney, je m'étais renseignée en amont et tout, j'avais tout fait comme il fallait. Et on m'avait certifié que certains menus étaient sans gluten. Et quand j'ai voulu commander les menus Natama, Matt, je sais plus comment ça se dit. J'ai mon pyjama. Voilà. Je recommence parce que ma caméra s'est coupée, je sais pas où ça s'est coupé. Mais du coup, tout ça pour vous dire qu'en fait, quand on a été manger à Disney, il y a un jour où c'était à l'auberge de Cendrillon, je crois, ou je sais plus le nom. Les enfants ont pris du poulet avec des frites et une sauce. Lily en a quasiment pas mangé, elle a mangé une bouchée, elle a été malade. Lucas, lui par contre, il a mangé son poulet en entier, les frites. Et il a été très malade, malgré le fait qu'il était sous antihispaminique, qu'il était sous Aerius. Il a fait une grosse réaction allergique. Sur le coup, le docteur a été pas sûr, elle pensait que c'était une scarlatine et compagnie, mais en fait c'est passé, j'arrive, c'est passé sans l'anti, enfin sans le traitement qu'il fallait. Bah mets-la sur le bord de ta fenêtre. Et en fait Lucas a fait un énorme œdème de quickie. Voilà, donc heureusement qu'il était sous antihistaminique parce que ça a réduit le truc, mais il était quand même énorme. Ça a duré jusqu'au... Ça a duré du samedi. Ça a commencé... Il a mangé le truc le samedi midi. Ça a commencé dans l'après-midi, un petit peu. Parce que Lucas, de toute façon, il dit c'est des allergies retardées qu'ils ont. Donc ça a commencé dans l'après-midi et après, le dimanche, ça a été... catastrophique. De toute façon, je vous en avais parlé dans les vlogs et quand on avait été voir le docteur le mardi soir, c'était encore présent. Ça y était encore, ça commençait et ça a commencé à régresser le mardi soir. Voilà, donc du coup, dans le doute, elle a préféré leur, leur prescrire à tous les deux. Comme on n'est pas sûr enfin, on pense que. Elle pense que c'est le gluten à une très très grosse dose qu'il a eu en fait. Il a fait une réaction allergique. Normalement ils sont intolérants au gluten, ils sont pas allergiques, donc il n'y a pas de désensibilisation, c'est une maladie auto-immune qu'ils ont. Mais du coup là ça a été une grosse réaction allergique, donc ils ont, tout ça pour vous dire en gros, ils ont des les injections d'adrénaline en fait, ils ont l'anapène. Donc il faudra que j'aille chercher les seringues demain à la pharmacie parce que là ils sont en rupture de stock, comme c'est la rentrée scolaire, tous les pays sont en train d'être faits, donc du coup toutes les familles refont le stock. Donc du coup voilà. En pyjama. Oui. Et je vous dirai un autre truc après, on va s'occuper du dodo de Lily. On va tomber avec lui. Bien, avec le bébé. C'est le de la chouette. Une belle poule. Il n'y a rien. C'est qu'une seule page. Tu peux pas l'ouvrir plus. Un lapin. Oui. Un mouton. Un cœur. Oui. Un livre. Oui. Tu peux pas le faire plus. Une lampe lune. Une lampe lune. Et des doudous. Et doudous. Et des doudous qui sont dos. Eh oui. Et on va bientôt avoir une Lily qui fait dodo. Aussi. T'en as d'autres? J'en ai une autre. Ok. On va leur dire bonne nuit. Bonne nuit. À devant la caméra peut-être quand même. Bonne nuit. Un lapin. Hop, on est avec Lucas. Tu veux rentrer, Jules? Tu fais tout tomber. Calme-toi. Demain, je vais passer à Carrefour. Je vais aller t'acheter ta... Attends, elle est pas assez vissée. Touche pas. Je vais aller t'acheter ta couette. C'est trop bien, Jules. Attends, tu la mets là. Julie, mais tu te pousse-toi. Je vais aller t'acheter ta couette demain. J'aurai pas ta housse de couette par contre. Je vais la commander. Faut que je regarde sur la Redoute ou je ne sais où. D'accord. T'as passé une bonne journée? Oui. T'es contente d'un week-end? Oui. Demain, on réveille pas Lily. Oui. Parce que Lucas, il a tendance à se réveiller très tôt. Et du coup, il réveille tout le monde, dont sa sœur. Hein? Elle est fatiguée. Faut la laisser faire dodo.
Donc bon. Du coup, on va vous dire à je demain. Je pourrais avoir des BD Lucky Luke, parce que j'ai envie d'en lire. Là, il est tard, il faut faire dodo, Lucas. Il va être 9h. C'est l'heure de faire dodo. J'en lis même pas une. Non, si tu veux, tu lis tes pirouettes ou je sais quoi. Mais les BD, on regardera demain. Ok. D'accord. Papa, il est en train d'énerver Lily de l'autre côté, là. Ouais, mais je l'entends. Le soir, il s'amuse toujours avec elle et il joue pas avec moi. Mais si, il joue avec toi après, arrête. Oui, mais le soir, il joue jamais avec moi. C'est quel soir quand je devais te chercher sous la couette avec papa? Ah, alors, il joue pas avec toi? Oui. Hein? Ouais. 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 Moi, j'aimerais bien recommencer. Ah, mais tu sais, ça, c'est rigolo quand on le fait une fois de temps en temps. Si tu te caches tous les soirs sous la couette avec papa, je vais savoir où vous êtes. Faut pas le faire tout le temps. Eh ben oui. Ah là là. Bon ben du coup, je voulais te dire aussi, je te l'ai pas dit, il y a des abonnés, donc des personnes qui nous regardent, qui te félicitent parce que tu es sage en classe, que c'est très bien. Voilà. Merci. Et qu'il faut continuer. Merci. Comme je te l'ai dit. Merci. Voilà. Parce que je l'ai souligné, je lui ai dit à Lucas. Donc on dit bien, on dit quand c'est pas bien, mais on dit aussi quand c'est bien. Et on lui a dit que c'était bien. Tu peux venir, papa? Non, c'est bon, je te laisse. Non, je disais à Lucas qu'on avait souligné que c'était bien, qu'il faisait des efforts à l'école. Mmh. Et il y a des abonnés aussi qui lui ont dit que c'était bien, qu'il fallait qu'il continue. Ouais, c'est parfait. Hein, Lucas? Tout le monde est d'accord. Mmh. Tout le monde est d'accord. Faut continuer comme ça, c'est super. Et papa? Tu viens pas? Bah non, mais j'attends que t'aies fini avec maman. Ah bah je vais laisser, puis je vais vous laisser entre hommes. Ouais. Bon, ouais. Enfin, non, mais il veut que tu rigoles avec lui comme t'as fait avec lui. Ouais. Voilà. Enfin, peut-être pas rigoler parce que j'ai pas envie de m'énerver. Dodo, oui, voilà. On va lire une histoire. C'est pas une bonne idée. Lire une histoire si tu veux. On vous dit à demain du coup. À demain. Bisous. Bisous.